Sois ce que tu es. Chapitre 6. Investigation du soi. Les idées fausses. Lorsque vous commencez à vous poser la question « Qui suis-je ?», vous éliminez le corps comme non-je, la respiration comme non-je. Et ensuite, vous ne pouvez pas aller plus loin, car vous êtes allé aussi loin que l'intellect puisse aller. Ce processus est uniquement intellectuel. Toutes les Écritures mentionnent cette méthode, mais uniquement pour aider celui qui cherche à trouver la vérité. Mais on ne peut pas montrer la vérité du doigt d'une façon objective, d'où cette approche intellectuelle. Comprenez que ce qui élimine tout ce qui est non-je ne peut éliminer le jeu. Il faut un jeu pour dire « je ne suis pas ceci » ou « je ne suis pas cela ». Ce jeu est simplement l'ego ou la pensée-je. Une fois que cette pensée-je s'est manifestée, toutes les pensées surgissent à leur tour. La pensée-je est bien la pensée racine. Si la racine est arrachée, tout le reste est extirpé en même temps. Posez-vous la question « Qui suis-je ?» Cherchez donc cette racine « je ». Trouvez sa source. Les autres idées que vous avez vont alors se dissiper et seul subsistera le pur soi. Si vous désirez savoir comment faire, sachez que le jeu est toujours là, dans le sommeil profond, dans le rêve et dans l'état de veille. Celui qui parle maintenant est le même que celui qui était dans le sommeil. Le sentiment du jeu est toujours présent. Est-ce que vous refusez d'admettre votre propre existence? Non, n'est-ce pas? Vous dites « je suis ». Trouvez de qui il s'agit. Neti, neti. Pas ceci, pas ceci, n'est pas de la méditation. Trouvez la source. Vous devez l'atteindre à coup sûr. Le faux jeu disparaîtra et le vrai jeu sera compris. Le premier ne peut pas exister sans l'autre. Vous vous trouvez aux prises avec une fausse identification du soi au corps et aux sens, etc. Vous essayez de vous en débarrasser, c'est pourquoi vous pratiquez Neti. Ceci ne peut se faire qu'en se cramponnant à ce que vous ne pouvez écarter, ce qui est. Examiner qui suis-je revient en réalité à découvrir la source de l'ego ou de la pensée-je. Vous ne devez pas vous intéresser à d'autres pensées telles que « je ne suis pas ce corps »,
Rechercher la source de je est un moyen de se débarrasser de toutes les autres pensées. Il ne faut pas laisser le champ libre aux autres pensées, mais fixer votre attention exclusivement sur la recherche de la source de la pensée « je » en demandant, chaque fois qu'une pensée surgit, à qui elle apparaît. Si à ce moment-là, la réponse est « j'ai une pensée », continuez votre recherche en demandant « qui est ce « je » et quelle est sa source ?» Il est inutile de répéter « qui suis-je » comme un mantra. Non, « qui suis-je » n'est pas un mantra. Cela veut dire que vous devez découvrir à quel endroit surgit en vous la pensée « je », qui est la source de toutes les autres pensées. Il est également inutile de méditer sur « je suis Brahman, Aham, Brahmasmi ». Cette phrase n'est pas faite pour nous faire penser « je suis Brahman ». « Je » est connu de tous. Brahman demeure en chacun de nous sous la forme de « je ». Découvrez le « je ». Le « je » est déjà Brahman. Vous n'avez pas besoin de l'exprimer dans votre pensée. Découvrez simplement le « je ». Aussitôt après la naissance de la pensée « je », se met en place la fausse identification du « je » avec le corps, les sens, l'esprit, etc. Pendant ce temps-là, le « je » est perdu de vue. L'abandon des couches qui recouvrent le vrai « je » et dont il est fait mention dans les Écritures sacrées est simplement mentionné pour séparer le pur « je » du jeu contaminé. Cela ne veut pas dire qu'il faille se débarrasser du non-soi, mais qu'il faut trouver le véritable soi. Le vrai soi est le jeu infini. Ce jeu est perfection. Il est éternel. Il n'a ni origine, ni fin. L'autre je est né et meurt également. Il est impermanent. Découvrez à qui apparaissent ces pensées toujours changeantes. Vous trouverez qu'elles surgissent dans le sillage de la pensée je. Cramponnez-vous à la pensée je et elle disparaîtra. Remontez à la source de la pensée « je ». Il ne restera que le « soi ». Les autres méthodes sont pour ceux qui ne peuvent pas mordre à l'investigation du « soi ». Pour répéter « je suis Brahman » ou y penser seulement, il faut un auteur qui en soit à l'origine. Qui est-ce ? C'est le jeu. Soyez ce jeu. C'est la méthode directe. Les autres procédés conduisent en fin de compte à cette méthode d'investigation du soi. «
vous êtes conscient du jeu, mais vos difficultés continuent. C'est parce que cette pensée « je » n'est pas pure. Elle est contaminée par l'association avec le corps et les sens. Découvrez à qui appartiennent les difficultés. C'est à la pensée « je ». Tenez-vous-y. Les autres pensées vont alors se dissiper. Tenez-vous à la pensée du « je » absolu, à l'exclusion de toutes les autres. Vous pouvez penser que l'affirmation de Dieu est plus efficace que la quête « qui suis-je ? » L'affirmation est possible, tandis que la quête ressemble à une négation. En outre, elle implique un état de séparation. Sachez qu'aussi longtemps que vous cherchez à connaître une méthode de réalisation, ce conseil est destiné à vous aider à trouver votre soi. Votre recherche d'une méthode dénote votre état de séparation. Si vous préférez dire « je suis l'être suprême » plutôt que de demander « qui suis-je ?», cherchez qui affirme. Il doit bien y avoir quelqu'un. Trouvez-le. Quant à savoir si la méditation est supérieure à l'investigation, sachez que la méditation implique une imagerie mentale, tandis que l'investigation est orientée vers la réalité. La première est objective, tandis que la dernière est subjective. Si vous souhaitez avoir une approche scientifique de ce sujet, chercher à écarter ce qui est imaginaire et rechercher ce qui est réel, n'est-ce pas une démarche scientifique? Seul le soi est réel. Tout le reste est imaginaire. L'esprit et l'intellect n'existent pas en dehors de vous. La Bible dit « Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. » Le silence est la seule chose nécessaire à la réalisation du soi comme Dieu. Il faut découvrir le véritable je. Dans la question « qui suis-je ?», je s'applique à l'ego. En essayant de remonter à sa source, nous découvrons qu'il n'a pas d'existence séparée, mais se fond dans le véritable je. Vous voyez la difficulté? La recherche du soi est une méthode différente de la méditation où l'on dit « Shiva, c'est moi » ou encore « Cela, c'est moi ». Je préfère insister sur la connaissance du soi.
car vous êtes d'abord concerné par vous-même, avant de chercher à connaître le monde et son Créateur. La méditation « Cela c'est moi » ou « Je suis Brahman » est ni plus ni moins qu'une pensée dans l'esprit. Mais la quête du soi dont je parle est une méthode directe qui est vraiment supérieure à l'autre méditation. Dès l'instant où vous partez à la recherche du moi et que vous allez de plus en plus profond, le vrai soi vous attend pour vous faire entrer. À partir de là, tout ce qui est accompli se fait en dehors de vous, échappe à votre contrôle. Du coup, tous les doutes et points de vue sont automatiquement abandonnés, comme celui qui dort oublie ses préoccupations pendant le sommeil. Un esprit pleinement développé devient naturellement convaincu que quelque chose d'autre est prêt à l'accueillir en cet endroit le plus profond de son être. Mais quel que soit le développement antérieur, l'auto-investigation va l'accélérer. Alors vous pouvez avoir ce raisonnement circulaire en vous disant « Je suis développé, alors je suis qualifié pour la quête ». Mais en même temps, la quête elle-même me permet de me développer. Le mental a toujours ce genre de difficulté. Il a besoin d'une théorie pour le satisfaire. En fait, aucune théorie n'est nécessaire pour un homme qui désire sérieusement approcher Dieu ou réaliser son propre être véritable. Ne pensez pas que la quête du soi, bien que directe, soit difficile. Courir après des objets qui nous sont étrangers est facile. Comment peut-il être difficile d'aller vers son propre soi? Vous pouvez vous dire par où commencer. Mais il n'y a ni commencement, ni fin. Vous êtes vous-même au commencement et à la fin. Supposez que vous soyez ici et le soit quelque part ailleurs, et qu'il vous faille l'atteindre. On pourrait vous dire comment partir, comment voyager, et enfin comment y arriver. Supposons que vous êtes chez vous et que vous vous demandiez « Je désire aller chez moi, comment faire pour y arriver ?» L'homme qui cherche le soi est dans ce cas. Il est à tout moment le soi et rien d'autre. Le but n'est pas de répéter continuellement « Qui suis-je ?» Dans ce cas, la pensée ne s'éteindrait pas facilement. Dans ce que vous appelez la méthode directe, en même temps que vous posez la question « Qui suis-je ?», vous devez vous concentrer au plus profond de vous-même, là où jaillit la pensée « Je », cause de toutes les autres pensées. Le soi n'est pas à l'extérieur, il est en vous. Il vous faut donc plonger à l'intérieur et non pas à l'extérieur.
quoi de plus facile que d'aller vers vous-même? Le fait est que cette méthode ne plaît pas à tout le monde et paraît difficile à certains. C'est pourquoi tant de méthodes différentes ont été enseignées. Chacune paraît la meilleure et la plus facile à ceux à qui elle est adaptée. Mais d'autres ne sont tentés par rien d'autre que par la voie de l'auto-investigation. Ils vont demander « Vous voulez que je connaisse ou que je voie ceci ou cela ? Mais qui connaît ? Qui voit ceci ou cela ?» Dans toutes les méthodes autres que l'auto-investigation, il y a quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui voit. Impossible d'y échapper. Il faut trouver qui est le sujet de l'action. Et tant qu'il n'a pas été trouvé, la sadhana n'est pas terminée. Mais en fin de compte, tous en arrivent à découvrir qui suis-je. Vous vous plaignez de ne rien avoir de préliminaire ou de positif pour commencer. Vous avez le jeu pour débuter. Vous savez que vous existez continuellement, tandis que le corps n'existe pas toujours, par exemple, dans le sommeil. Le sommeil vous révèle que vous existez, même sans corps. Nous identifions le jeu au corps. Nous regardons le soi comme ayant un corps, comme ayant des limites. D'où nos difficultés. Tout ce que nous avons à faire, c'est de cesser d'identifier le soi au corps, à sa forme et à ses limites. Nous nous connaîtrons alors comme étant le soi que nous avons toujours été. Le cœur est le centre du soi. C'est le centre suprême du soi. Vous n'avez aucun doute à avoir là-dessus. Le vrai soi est là, dans le cœur. Mais vous ne pouvez pas le trouver avec votre mental. Vous ne pouvez pas le réaliser par l'imagination. La seule façon directe d'en prendre conscience est de cesser de fantasmer et d'essayer d'être vous-même. Vous réaliserez alors automatiquement que le centre est là. C'est le centre, le cœur décrit dans les Écritures comme « caverne du cœur », « grâce », « le cœur ». Longtemps après être arrivé ici, je suis tombé par hasard sur un vers d'un ouvrage classique de médecine ayurvédique en Malayalam, une langue du Kerala, dans lequel la source de la vitalité corporelle, dite aussi « endroit de lumière », est donnée comme étant localisée dans le côté droit de la poitrine, et appelé le siège de la conscience. Mais je ne connais aucun autre ouvrage dans lequel on donne un tel repère. Mais vous devez essayer d'en avoir l'expérience plutôt que de la localiser. Quand un homme veut voir, il n'a pas besoin de savoir où sont ses yeux. Le cœur nous est toujours ouvert si vous prenez la peine d'y entrer. Il soutient tous vos mouvements, même si vous n'en êtes pas conscient. Il est peut-être plus à propos de dire que le soi
et le cœur lui-même, plutôt que de dire qu'il est dans le cœur. En vérité, le soi est le centre même. Il est partout conscient de lui-même comme étant cœur, conscience du soi. Ne cherchez pas à localiser dans une quelconque partie du corps le soi. Fixer une place au cœur revient à poser des limites physiologiques à ce qui est au-delà de l'espace et du temps. Toute personne qui pose cette question à propos de la localisation du cœur se considère elle-même comme existant avec ou dans le corps. À l'instant où vous posez la question, pouvez-vous dire que seul votre corps est ici, tandis que vous, vous êtes en train de parler de quelque part ailleurs? Non. Vous acceptez votre existence corporelle. Et c'est à partir de ce point de vue qu'est faite toute référence au corps physique. En vérité, la conscience à l'état pur est insécable, sans parti. Elle n'a ni essence, ni forme, ni dedans, ni dehors. Il n'y a ni droite, ni gauche. La pure conscience qui est le cœur inclut tout, et rien n'est en dehors ou à part d'elle. Ceci et la vérité ultime. De ce point de vue absolu, le cœur, le soi ou la conscience ne peuvent pas avoir de localisation fixe dans le corps physique. Quelle en est la raison? Le corps lui-même est une simple projection de l'esprit, et l'esprit n'est qu'une réflexion du cœur rayonnant. Comment ce en quoi tout est contenu pourrait-il être en même temps une minuscule composante à l'intérieur d'un corps physique qui n'est lui-même qu'une manifestation phénoménale, infinitésimale, de la réalité unique? Mais les gens ne comprennent pas cela. Ils ne peuvent pas s'empêcher de penser en termes de corps physique et de monde. Par exemple, vous dites « Je suis arrivé à cet ashram tout droit depuis mon pays de l'autre côté des mers. » Ce n'est pas vrai. Où y a-t-il allé et venu, ou quelque mouvement que ce soit, pour l'esprit omnipénétrant que vous êtes en réalité? Vous êtes ou vous avez toujours été. C'est votre corps qui s'est déplacé ou a été transporté d'un endroit à un autre jusqu'à atteindre cet ashram. Ceci est la vérité toute simple, mais elle paraît imaginaire pour quelqu'un qui se considère comme un sujet vivant dans un monde objectif. C'est en revenant au plan de la compréhension ordinaire que l'on assigne au cœur une place dans le corps. Une fois admis que, du point de vue de la vérité absolue, le cœur, en tant que pure conscience, est au-delà de l'espace et du temps, il vous est facile de comprendre le reste dans une perspective correcte. Vous êtes, c'est un fait. Lorsque vous méditez sur le cœur,
La méditation est faite par vous, vient de vous, est en vous. Elle doit se poursuivre où que vous soyez. Elle ne peut pas être extérieure à vous. Vous êtes le centre de la méditation, c'est-à-dire le cœur. Vous doutez quand vous l'identifiez avec quelque chose de tangible et de physique. Le cœur n'est ni un concept, ni un objet de méditation. Il est le siège de la méditation. Le soi demeure tout seul. Vous voyez le corps dans le cœur. Le monde y est aussi. Rien n'est séparé de lui. Tous les efforts ne s'exercent qu'à cet endroit. Je vous demande de saisir d'où le jeu surgit dans votre corps. Mais en fait, ce n'est pas exact de dire que le jeu surgit du cœur et s'y abîme du côté droit de la poitrine. Le cœur est un autre nom pour la réalité, et il n'est ni en dedans, ni en dehors du corps. Il ne peut y avoir ni dedans, ni dehors, puisque lui seul est. Le cœur n'est pas physique. La méditation n'est faite ni sur le côté droit, ni sur le côté gauche de la poitrine. Elle doit se faire sur le soi. Tout le monde connaît « je suis ». Qui est le « je » ? Il ne sera ni dedans ni dehors, ni à gauche ni à droite. « Je suis », c'est tout. Abandonnez les idées de droite et de gauche. Elles appartiennent au corps. Le cœur et le soi. Prenez-en conscience et vous verrez par vous-même. Vous n'avez pas besoin de savoir où est le cœur et ce qu'il est. Il fera sa part de travail si vous vous engagez dans la recherche du soi. Lorsque j'ai dit que demeurer dans le cœur est le meilleur karma yoga, le meilleur bhakti yoga, le meilleur jnana yoga, je parlais du cœur qui est la source de tout, en qui tout vit, en quoi tout se fond. Ne cherchez pas à le conceptualiser. Vous n'avez qu'à découvrir à partir d'où jaillit le « je », ce à partir de quoi sont produites toutes les pensées des êtres incarnés est appelé le cœur. Toutes les descriptions qu'on peut en faire ne sont que des concepts mentaux. N'imaginez pas le cœur avec une forme et ne prenez pas cette dernière pour objet de méditation. Seule la quête du « qui suis-je » est nécessaire. Ce qui demeure, à travers le sommeil profond et l'éveil, est identique. Mais dans l'état de veille, il y a une insatisfaction dont nous essayons de nous débarrasser. Si on vous demande « qui s'éveille du sommeil ?», vous dites « je ».
Ce qu'on vous demande maintenant, c'est de vous cramponner à ce jeu. Si vous le faites, l'être éternel se révélera par lui-même. L'essentiel est l'investigation du jeu et non la méditation sur le centre-cœur. Il n'y a ni dedans ni dehors. Dedans et dehors veulent dire la même chose, ou rien du tout. Bien sûr, il existe aussi la pratique de méditation sur le centre-cœur. C'est seulement une pratique et non une investigation. Seul celui qui médite sur le cœur peut demeurer conscient quand le mental cesse d'être actif et reste immobile, tandis que celui qui médite sur d'autres centres ne peut pas être aussi conscient. Ce n'est qu'après que le mental soit redevenu actif qu'il peut en déduire qu'il était tranquille auparavant. Quel que soit dans le corps l'endroit où l'on pense que le soi réside, il va apparemment y résider à cause du pouvoir de la pensée. C'est dans le cœur que s'élève et que sombre le jeu. Comprenez que, bien qu'on dise que le cœur existe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, en vérité absolue, il n'existe pas ainsi, parce que le corps, qui est la base sur laquelle apparaissent les marques distinctives intérieures-extérieures, n'est qu'un produit de l'imagination de l'esprit pensant. Le cœur, la source, est le commencement, le milieu et la fin de tout. Le cœur, l'espace suprême, n'est jamais une forme. Il est la lumière de la vérité.